Salut, bonne route à tous. Allez, 73-51 de date des 33 dans le sens sud-nord. Ok, Colibri, putain, le temps. Hey, on est le matin. Hein. ça, c'est le temps de réaction le matin. Au secours, comment vas-tu, Colibri? Je vais bien. Bonjour, j'ai des nouvelles de toi avec la fenêtre. Oui, il est passé maintenant en national et du coup il se balade partout en France. Putain, il a de la chance. T'as besoin de quelqu'un d'autre qui parle, vas-y derrière. Parce que maintenant, t'as un charpenteur, maintenant, laisse pas finir avec David. Il y a Bruno Sepper qui fait le bonjour, David. Non, c'est pas David, c'est Dandy 33, voilà. Rémi pour le prénom. Ben je l'entends pas, hélas. Là, je suis sur la National 10. Alors, attends que je te donne plus d'infos. La National 10, au niveau. J'arrive au niveau de la sortie L'Aréole Royan-Cognac. Bon, je m'en vais là sur le Pas-de-Calais. Je m'en vais me balader par là-bas. Je ne savais pas quoi faire aujourd'hui. Non, pas la route de Royan, la National 10 en direction du nord, en direction de. On monte sur le Pas-de-Calais. Pour le Larcel. Ah oui, j'entends un truc, je sais pas ce que c'est. Attends, c'est pas évident. Oui, c'est curieux, je vois pas ce que c'est. Attends, je regarde. Attends, deux secondes. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il t'entend, Bruno, là. Bonjour la station. Oui, je t'entends bien, on entend vous brancher du Colibri, opérateur Gérard. Attends, deux jours, Nono. Oui, de qui? Jiffy, Jiffy. C'est Jiffy ou Jiffy? Jiffy. Jiffy, oui d'accord, Jean-Pierre. Ouais, je suis toujours là. En plus c'est chiant parce que là je suis en plein sur National 10, donc il y a du monde, il y a tout. Je peux pas m'arrêter pour voir ce que c'est que ce problème de Larcel. À moins qu'il se soit arrêté, je sais pas. Voilà, on va faire comme les gens, mon petit ami. Écoute, si tu passes là, tu vas faire, je suis là le matin, tu fais petit coucou, pas de problème comme d'habitude. Ah oui, monsieur, j'ai eu le lot l'autre jour, la belette, là, qui m'a envoyé des bisous, je lui dis, tiens, il y a pas quelqu'un qui m'envoie des bisous. Et puis, je te souhaite la bonne petite route, la bonne remontée d'avant. Et puis, parce qu'on va passer sur un autre habituel, tu pourrais peut-être suivre, enfin, je ne dis pas pour moi. Ouais, non, mais c'est bon, je vais continuer ma route tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc, les bonnes 73-51, toi, ainsi que tous ceux que. Ben, il n'y a que toi que j'entends. Si j'ai entendu quelqu'un, là, très très QRP, mais c'était en plein moment où on s'est pris une espèce d'averse ici, là, au secours. Il est tombé des troncs d'eau d'un seul coup. Hein. Ok, je vais te laisser filer sur ton canal habituel. Les bonnes 73-51, toi, bonne journée. Je
repasse de ce côté-ci dans l'autre sens, et bien lundi, voilà, on va passer là tout le week-end là-haut sur le Pas-de-Calais. Ça marche, bonne journée à toi, à plus. Ok, ça marche, merci, tout ça retourné à lui. Je sais pas, on verra bien. Ok, allez, Nono, on habite toi. Ok, c'est bon, je me suis arrêté là, un air de repos, là, un peu plus haut. J'avais un gros problème de tosse. Donc là, c'est réglé. J'ai un matcheur qui est branché dessus entre deux, là, parce que moi, je suis en installation provisoire, là, sur l'antenne. HI3 coups, bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, j'ai refoutu un coup de matcheur parce que, bon, visiblement, le réglage avait bougé. Là, au niveau de... Il est posé par terre comme ça, là, je t'emmerde. HI3 coups. Et là, j'ai rematché un petit peu, c'est bon, j'ai plus le sifflement derrière. Et plus de tosse, ou juste à peine 1-2 de tosse derrière, c'est tout bon. Ah oui, là, c'est bon, hein. Oui, oui, là, il n'y a pas de souci, là, ce coup-ci, c'est bon. Ouais, j'ai quoi? Je vois quoi? Là, avec l'Alpha Lima, là, j'ai 1-2 de tosse. Sans l'Alpha Lima, j'ai juste 1-2 de tosse, là, c'est nickel. Allez, je reprends la route. Je n'ai même pas demandé d'air de repos, je me suis arrêté. Bon, ben, c'est pas grave. Mansle. Voilà, je m'étais arrêté à l'air de repos de Mansle. Je sais pas si tu connais. Alors, c'est juste avant la... juste avant la sortie Mansle. Voilà, sortie 52. Voilà, je m'étais arrêté juste avant, là, pour régler tout ça. Ok, bah c'est tout droit, sortie de l'Arcel, c'est nickel. Ah ouais, bah c'est le tous qui me balançait ce l'Arcel. Je me suis dit, bon là, c'est faut que je vois ça. Ah, tu m'étonnes. Ah mais disons que si allez, j'ai du temps, je vais t'expliquer vite fait. Normalement, je suis sur en base Persage. Là, sur l'embase Persage là, de la Wilson 5000. Mais les embases Persage là-dessus sont extra fines. Et bon, ben, dans le temps, vu que c'est en plastique, ça s'est pété de tous les côtés. Et je suis provisoirement sur une embase magnétique. Donc, la hauteur de l'antenne par rapport au toit, plus la différence de longueur de coax, font que je me retrouve avec du tos. Et comme j'ai pas envie de régler l'antenne, parce que de toute façon, dans tous les cas, l'embase Persage, je vais la changer, j'ai mis un matcher en attendant. Voilà. Et bon, ben là, avec les pieds et tout par terre, le réglage avait bougé. Putain, là, je suis dans le trou, là, après Mansle. Et là, j'étais pratiquement perdu. Là, je t'ai entendu parler. Et je n'ai pas du tout sorti, j'ai pas du tout retenu de ce que tu m'as dit, désolé. Là, je suis toujours dans le trou, là, je vais avoir du mal. Mais là, je suis en train de m'éloigner de toi, là, ça se voit, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis pas loin de la sortie Fonclairo, ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, je suis en train de remonter à la surface là. Putain, ouais, je suis en train de remarquer que quand on remonte à la surface, on s'aperçoit qu'il fait jour. Voilà. Ouais, bon, j'arrive. Ouais, c'est ça, Fonclairo, sortie 51. Ouais, je suis en train de passer là au niveau de cette sortie. J'ai les éoliennes en pleine ligne de mire. Ah, tu m'étonnes. Bon, tu passes assez QRP de mon côté, mais bon, ça passe encore. Ok, mon petit, bonne route, à la prochaine.
Ça marche, merci pour m'avoir signalé le problème. Parce que c'est vrai que quand tu roules comme ça, bah, t'as pas les yeux sur le poste. Et donc t'as pas les yeux sur l'autosmette. Et plus le bruit du push, j'entendais pas siffler derrière. Merci pour m'avoir averti. Bonne journée à toi, bon week-end à suivre, à plus. Ah, je t'ai entendu derrière, mais très très QRP, trop QRP. Rebonne journée, merci encore et bon week-end à suivre. Ok, là je t'ai entendu, merci, bye. Ah, vous voyez à quoi ça la CB ? Voilà, l'entraide. Là, ce coup-ci, c'était pour me signaler un problème au niveau de la station mobile. Mais ça aurait pu être au niveau de la route, de n'importe quoi, de un accident quelque part, je ne sais trop quoi d'autre. Pour les camping-caristes, par exemple, c'est très utile. Les mecs, ils roulent en couvois, ils peuvent s'avertir de tout, de n'importe quoi, d'un changement de direction. Idem pour les routiers, pareil. Attention, Barracuda 56 ou la belette qui vous, pour Dandy 33 qui vous appelle depuis le grand ruban, la A10. Bon, visiblement, vous n'êtes pas dans le coin. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Est-ce qu'il y a du monde du côté de Tours? Attention des stations fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle en mobile sur l'autoroute A10 d'Assure-Tour. Mais tout le monde dort ici, c'est pas possible. Ah oui, puis en plus de ça, j'ai encore mon petit problème. Et quelqu'un peut me dire ce que c'est là? C'est quoi? C'est un 59 long? Je sais pas ce que c'est. Et 73-51, les stations sur le canal de la part de Dandy 33 là sur l'autoroute. Oh bah c'est pas grave, ou alors ça passe bien. Arrivé en Normandie. Attention, Sibi Normandie pour Dandy 33 qui vous appelle. Eh, on s'est déjà vu? Attention, la boutique Sibi Normandie pour Dandy 33 qui vous appelle, qui est de passage sur la région. C'est bien dommage. Ça aurait été la petite anecdote du jour. Bon, ben c'est pas grave. Bonjour à vous. Bonne route de la part de Dandy 33 sur l'autoroute A28 en direction du Nord. Bonjour. Je faisais un petit tour de galette pour voir qu'il y a du monde aussi par ici. Même dans le nord de France, il y a du monde sur la CB. Entre la Normandie et le Pas-de-Calais.
passé à côté de la sortie de la Grande Couronne. Département de la Seine-Maritime, même de ce côté-ci, il y a du monde. Bon, bah, c'est l'heure. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle à Mobile depuis la A28. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis l'autoroute à 28 ou plutôt dans les parages. Ah ben zut, j'ai entendu quelqu'un appeler pourtant. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence sur le 27-500? Attention, ça y est, j'ai bouffé. Pour 14 km, 33-01, Dundee 33 qui te lance appel. Alors là, on est à... On est à Rouen. À Rouen. On est en train de traverser Rouen. Alors, il y a du monde par ici. Ouais. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais nous, on n'est pas d'ici. Allez, en route, direction Calais. C'est le nord de France et c'est l'Italie qui passe.
version, je ne sais plus comment, H3Coup pour 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33, la Sabelle. Attention, station en fréquence pour Dandy 33 qui lance appel. Ah, j'ai entendu un Roger Bip, lui il marchait bien en tout cas. Les 73-51, station de la part de Dandy 33 sur la A28. Attention pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi qui lance appel depuis les Hauts-de-France en bobine. Attention à la station pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en bobine depuis les Hauts-de-France. Oh, ça a causé dans ma boîte, ça a causé. Eh, faut pas avoir peur du micro, hein. J'ai même mis le masque sur le micro pour pas qu'il y ait le Covid qui passe à travers les ondes. Depuis qu'on est dans le Nord, j'imagine qu'il y a beaucoup de mamans qui ont dû dire à leur fils « Ne parle pas aux inconnus, mon fils, ne parle pas aux inconnus. » Mais ils ont bien retenu la leçon. Parce que je l'ai entendu du monde pourtant, là, tout au long de la route. Et à chaque fois que j'ai démarré les caméras, que j'ai lancé appel ou envoyé un bonjour, mais on dirait qu'ils ont peur, eux. Hey, l'accueil des gens du Nord, là il est où là? Je vois pas trop là. H3Coup. Opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis la A28 QTH les Hauts-de-France. Pour 14 km 33 01 opérateur Rémi,
Dandy 33, on s'appelle en mobile sur A28 depuis les Hauts-de-France. Eh bien, c'est pas grave. Les stations fréquences pour Dandy 33 qui appelle en mobile depuis le Pas-de-Calais. Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais. Oui, il est 3h15, c'est l'heure de la sieste par ici ou quoi? Apparemment oui. Attention, la station pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33, lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais. Attention, la station pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33, lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais. Et il est pas là. Que les oreilles bouchées ou ça parle pas français. En attendant, il y a du monde. J'arrive pas à reconnaître le pays. Pas-de-Calais. N'importe quoi. Sorti Calais. Saint-Pierre. Calais-Saint-Pierre. Regarde. Ouais, t'as la gauche. Ah, il y a des stops ici, dis donc. Ils sont modernes, hein. Non, c'est surtout qu'en bas, tu vois, il y a l'autoroute. Bon, attention les stations fréquences pour Dandy 33 sur, en mobile sur Calais.
au rond-point. Je commence à me demander si j'ai pas un problème de TX. C'est pourtant je vois ça bouge. Oui, je vais au rond-point à droite. Bon, du coup, le GPS, on l'a éteint et c'est l'autre GPS qui parle à la place. Oups. Ça a l'air sympa par ici. Ça fait un peu Côte d'Azur. Sauf qu'on est dans le nord. Alors, je vois très bien l'hiver, moi, avec des icebergs ici. Hein. Tout de rond-point à gauche ouais. Non. Ici. Alors, c'est un bruit que j'ai entendu. À 60 mètres, tu es là. Tu tournes là. C'était là ouais. Non, c'est ici. Non, vas-y, continue. 120 mètres, 110 mètres, au feu. Voilà. Au feu à droite. Vu l'accent, c'est pas trop l'accent du nord, ça. Mais on est en pleine ville. Si je l'entends, c'est qu'il y a de la pompade. Alors. À 700 mètres, si ça s'accompagne, on va plutôt à la droite. Bon, vu les QRM qu'il y a là, c'est pas la peine. On est en pleine ville, c'est normal. Je crois qu'il faut prendre la voiture grise. Alors, avant le... Ouais, ici à gauche.
crisser un peu. Et vous voyez ce que je vois au fond là-bas, là, qui pointe en l'air. Ça a l'air sympa par ici, quand même. Pour un dépaysement, c'en est un pour nous, là. Ah oui. C'est chez nous, c'est des vignes et des toits plats, enfin plats, sur lesquels on pouvait courir dessus. Ici, là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça fait des balcons qu'ils ont ? Ah oui, ça se présente comme ça, d'accord. On te passe à 290 mètres, donc toi, il faut que tu continues. C'est 550. Ça fait un petit peu ancienne caserne, un peu sur les bords. Ah, juste un peu, quoi. Ça va être la prochaine à droite quand tu feras. À droite. Pardon, à gauche, je suis pas d'accord. Ah, à gauche. Ici, ici. Quel numéro ? Bon, j'ai personne. On l'a refait. C'est au 693 Digue Castonberg. Donc c'est plus. Normalement, on donnait plus du côté Digue. C'est ça ? Et là, on n'est pas repris. Un Andru, j'aimerais bien avoir un Andru. Est-ce que tu as quelque chose sur ta droite au moment? J'ai rue des communes. Et c'est pas là? C'est dans 9 minutes. Ah ouais. Je dois reprendre. Oui. Non, à mon avis, regarde. Enfin, rue des communes, il dit tout droit. Et après, à gauche. À gauche ? Bah oui, j'ai fait. Ah bah de toute façon, à droite, on peut pas. Non, non. Ah oui. On voit qu'on n'est pas loin de l'Angleterre. Avec les balcons. Les avancées comme ça en biais. Donc à gauche. Oui. Ils mettent à 100 mètres du Vic à droite. À droite. À droite. Rue du Vic. Rue de Vic. Oui, pardon. Je continue tout droit. Boulevard Jacquard. Donc, tu vas à droite, non? Oh oui. Actuellement, on était censé donner sur la plage. Donc, c'est pour ça que je suis sur la plage. Calénor et plage. Tu vois la pancarte ? Calénor et plage. Ouais. Il est. On est parti ce matin 6h, 6h05. Et là, il est 4h moins le quart. Bah, c'est juste une petite balade, ça. Au rond-point après en face, allez. Oui. Donc, le Pas-de-Calais, c'est le département 62.
rond-point. Allez, premier rond-point en face. Et l'autre à gauche. Ah, il y a de l'eau à droite. Oh, c'est un canal, ça. Ça fait sympa, hein, comme ouais. Ça, des briques rouges. Hein. C'est pas mal. J'aime battre. Voilà. Le prochain rond-point sera à gauche. Ok. Ah ouais. Tiens, ce que je vois en face, là, oui. Ça, c'est les trucs comme ça en décrochement. Moi, j'aime bien, moi, ce style. Là, en deux coups de brosse, on est rendu là, en Angleterre. Bon, peut-être un peu plus. Donc, gros point à gauche. Oh, je vois des mâts. Oh oui, là il y a un port. Et les balcons 100 mètres, 90 mètres à gauche. Voilà. 40 mètres, normalement. 10 mètres. Vas-y. Là, je crois que c'est celle-là. Ok. Et nous, c'est à gauche. Et la voiture. Non, je crois que c'est là-bas. Vas-y. Là, et après, c'est toi à droite. Hein. Gauche, droite. Et il est juste là. Regarde, l'hôtel de la plage. Tu sais qu'on avait vu là. Waouh, mais c'est de gros luxe. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là?
Ah oui. Il réservé plus ou moins la clientèle. Là. Alors là, je sais pas. Mais ça tombe bien. Non, pas celui-là, je crois que c'est celui-là. Parce que celui-là, il faut. Hôtel restaurant. Oui, d'accord, mais regarde. Je crois pas que ce soit celui-là. C'est là qu'il y a marqué parking réservé à la clientèle. Non ? Ouais, on va se méfier, il y a un pilot par terre qui peut remonter. Ben voilà, c'est pour ça. D'ici qui nous garde en otage. Là, il y a de la place. Voilà, on est 73 à tous, on est dans le nord de France, sur Calais même. Et là, dommage que le temps ne soit pas plus clair. Parce que là, en deux coups de brasse, là, on pourrait... Ah si, j'aperçois un truc au fond là-bas. Non, on verra pas sur la vidéo, c'est pas possible. Mais dans la brume, au loin là-bas, on aperçoit quelque chose comme une côte, quelque chose comme ça. Ouais. Eh bien, non, elle ne va pas flotter la voiture, ça ne va pas être possible. Et quand deux bateaux se rencontrent, il se passe quoi? Non mais là, il va y avoir combat là, entre les deux. Je vois au niveau Sibis ce que ça donne. Parce que là on est vraiment bien placé. On est ici. L'hôtel qui est juste là. Donc à voir ce que ça donne. Ouais. Avant à décorner les... Enfin bref, j'ai pas de corde.
voit devant nous les côtes anglaises. C'est leur lumière qu'on aperçoit là-bas.